On parle de fréquence, les jeux de hasard. On rapproche souvent le mot hasard au chiffre 13 pour avoir de la chance. Le 13 peut être une fréquence aussi. Le 13 va être une fréquence justement qui va te mener à réfléchir dans plusieurs directions. On est dans le moment de la légalisation du cannabis. Le cannabis est une plante qui a plusieurs fréquences. Elle a la fréquence du hasard, elle a plusieurs fréquences. Il y a plusieurs fréquences sur Terre. Et le cannabis comporte plusieurs fréquences, va émettre plusieurs fréquences. Il y a des fréquences addictives, tu as des fréquences de hasard avec le chiffre 13, représenté par le chiffre 13, tu as des fréquences addictives, tu as des fréquences pervers, tu as des fréquences pervers, tu as des fréquences de réussite, de victoire. Tu as plusieurs fréquences possibles qui existent sur Terre. Avec le cannabis, on est plutôt sur un lot. On est sur un lot. Le cannabis représente un lot de fréquences. Plusieurs fréquences est accrochée sur la plante de cannabis et va être rapportée. Déjà dans l'air, l'environnement déjà d'un humain normal, déjà il existe des fréquences. Mais si tu en plus tu rapportes les fréquences qui est possible avec le cannabis, avec l'alcool, le tabac, enfin, n'importe quoi. On s'y retrouve plus, tu vois. Là, ça devient n'importe quoi après. On part sur des trucs complètement dingues, quoi. Et il existe hein, des trucs complètement dingues. Hein. Et les cloches des églises peuvent émettre des fréquences aussi, tu vois ce que je veux dire? On les entend résonner le dimanche matin ou je sais plus comment, le midi, le mercredi midi, un truc comme ça. Mais ces résonances des cloches d'église, des religions, quand les religions font émettre le son de la prière ou le son, je sais plus, de remerciement pour la prière, des trucs comme ça. Ce son, tu l'entends vraiment en haut de la fréquence. Quand tu l'entends vraiment en haut de la fréquence. Mais des gens peuvent l'émettre sur plusieurs hauteurs de fréquence. Hein, et tu vas pas l'entendre forcément. C'est des fréquences, voilà. Mais je parlais du jeu du hasard, le chiffre 13. Ouais, le chiffre 13 peut être représenté par une fréquence qui va mener justement au hasard, à accepter le jeu de hasard comme du hasard. Avec la fréquence représentée, on appelle 13, avec le hasard, le chiffre 13. Mais il y a vraiment des trucs étranges parce que l'humain est très réceptible et très l'humain va réceptionner les fréquences mais d'une intensité vraiment il y a vraiment il y a vraiment des doutes à avoir sur beaucoup de choses hein. Il y a vraiment des trucs très étranges hein, franchement. Franchement, en plus là, avec la légalisation du cannabis qui nous entoure partout, il y a vraiment des choses très étranges. Et il faut bien ouvrir les yeux, mais on est tous fatigués. Donc là, c'est le moment Covid où il y a des fréquences dans le virus, une recette de fréquences dans les virus assez pénible. Mais bon. On va essayer de faire notre recette à nous et puis qu'on ait un peu plus de gaieté, un peu plus de. Voilà. Enfin, déjà pour moi, je vais essayer de me faire une petite recette de fréquence. Et puis voilà, je vais essayer. Hein, déjà,
Si je suis capable de réceptionner des fréquences, donc je suis capable de les reconnaître, moi je suis capable de les créer aussi, je pense, hein. Mais voilà. Allez, bisous, bisous.